Salut les amis, alors aujourd'hui on est venu rejoindre Jean-Louis et Philippe et on va essayer de se refaire un petit peu les cuissots avant la reprise du club et on va à la Monnière, Cap-Garonne, un bord de mer, tout ça va être super beau. Allez, à tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti, premier tour de roue en direction de la Côte Noire. On a Fifi derrière et... Alors aujourd'hui on est les trois, on est Philippe, Jean-Louis et moi. Et on est tous en Rocky Mountain, c'est le clan des Rocky Mountain là. On va envoyer du pâté dans les singles. Ouais, on a emmené le président avec nous, on va le remettre un petit peu en jambe histoire qu'il soit en forme quand on va faire la reprise VTT le 19. Voilà. Ah, je vous ai dit qu'on allait se faire les jambes pour bien remonter. Un petit peu technique. Casse-pattes en direction de la Côte Noire. On attaque fort. Jean-Louis et Philippe, les retrouvailles. C'est les deux premiers kilomètres. Pour filer nous, ouais. Il n'a pas commencé encore. Tu sais que c'est dur de redémarrer avec la selle en haut. Allez nous. Allez, Pilou! Ouais, joli, joli! Eh merde! Et c'est parti pour la Quand c'est sec ici, ça glisse encore plus que quand c'est mouillé. Il n'y a pas la grippe derrière, mais qu'est-ce que c'est bon de retrouver ces descentes aussi. C'est un peu plus technique qu'à la montagne. Mais ça n'en reste pas. Ça n'en reste du moins tout aussi bon. Avec les petits points de vue quand même. En moins. Allez, on va filmer les copains. Papa! Je me suis mis au travers. Après la descente, il y a une belle petite côte pour partir sur les hauteurs de la Monnière. Que du bon pour les jambes. Ah, un gros petit tronçon de descente très court. Par contre ça glisse dur, hein. Derrière c'est une patinoire. Il a tendance à vouloir venir devant. Ouh. Une petite remontée tranquille avant de se faire une petite descente un petit peu plus enduro sur la Monnière et de se la retaper en montée. Allez, c'est partout. Ça glisse. C'est où qu'on va? Normalement c'est par là. Je suis paumé là. Il y en a tellement. Ah ouais, là c'est le toboggan. Attention. Là c'est par là. Après. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Les chemins ils s'entrecroisent, ils se recroisent. On est sur la bonne route. Putain, mais ils en ont retravaillé là des descentes. Là, je sais plus.
freins, c'est là. Ah, j'essaye les freins, voir s'ils marchent bien. Il y a Philippe qui me met la pression, ben ridicule. Je suis lent comme une tortue. Non, il n'y a pas tort. J'ai du mal à me lâcher, j'ai l'arrière qui passe. Chaque fois devant, à chaque coup de frein. Du coup, j'ai un petit peu de mal. Allez, ça va un peu mieux. Plus oh, j'arrive pas à tirer sur l'avant. C'est bon quand on se met la pression comme ça, gentil. Ça te booste un petit peu pour te lâcher. Et entre nous, tu sais qu'il n'y a aucune méchanceté, c'est pour rigoler. Il n'y a aucune pression, quoi, je veux dire. Oh putain, il y a un trou là. Après cette descente magnifique, on est reparti en montée. Une bien raide comme on les aime. Je presse pendant l'effort. Okay. Mais qu'est-ce qu'ils font à pied? Je comprends pas. Je croyais qu'on faisait du vélo. Non, quand vous me niquez, quand vous me niquez, par contre, c'est censuré. Non, c'est censuré, ça. Là, il nous a emmené dans la jungle. Ouh ! Aïe, ça pique. Hein. Alors là, n'oubliez pas de mettre un doigt derrière les freins pour pas que les fourrés ils prennent le vélo. Ah, je suis en train de m'enlever toute la peinture sur mes bobos. Putain, t'as raison. Ah, ça nique. Ah. Ah. Allez, on roulotte tranquillement en direction du port de Kerkeran où l'objectif est d'aller prendre un petit café avant d'attaquer les grosses montées de l'autre côté sur le fort de Gavarès. Là, on en est à 10 km. 400 mètres de dénivelé. Vous avez dit que ça allait être une sortie entraînement. Ça allait. J'ai décroché. Bon, on a changé les plans. D'abord, on part à l'assaut de la montée du fort de Gavarès. Et on va redescendre sur le port de Carquet. Voir. Un petit coup et se détendre. Ah, c'est pas les premiers paysages montagnards de cet été, mais on monte avec ça, il y a plus dégueu quand même. Hein. Allez, c'est là-haut qu'on va. Allez, on y est. Tout ça pour avoir juste une petite vue mer, franchement. Hein, on n'a rien à envier là. Le beau Prèze. Il est là. On est pas bien, les gars. Les Rocky Mountain. Eh ouais, la Rocky Mountain Company. La Rotititi douche. The Rocky Mountain Company. Allez, on redescend. Oh, ta mère. Allez, une grosse caillasse. On redescend sur le port de Carquet.
retrouve notre bonne vieille DFCI démontée de la région. Allez, on arrive presque sur le port de Kerkéran. Allez, ce cadeau, c'est pour moi. Non, mais j'avais peur qu'il vous monte sur la plage. On est pas bien là ? Allez, la petite pause café bien méritée. Allez, on est reparti. Et puis je peux vous dire que Jean-Louis il a une bonne idée de faire la grosse montée avant d'aller boire le café finalement, parce que là les cuisses pour repartir, ça a piqué sévère. Là ça va, c'est on va juste pédalouiller un petit peu et c'est profil descendant jusqu'au point de départ. Enfin d'arriver du coup. Ça glisse, Alice, ça glisse au pays des merveilles. Vas-y Francky, c'est du savon de Marseille. Bon ben voilà, sortie finie. Je me suis aperçu en rentrant à la maison que j'avais oublié de vous dire au revoir. Et je voulais surtout m'excuser aussi auprès de tous mes amis nordistes, Captain Buggy, Jérémy, Fred et tous les autres, j'ai râlé tout le long de la sortie comme quoi il faisait trop, enfin que c'était trop sec et qu'il n'y avait pas d'adhérence. Je suis vraiment désolé quand je vois dans les conditions dans lesquelles vous roulez et moi je me plains qu'il fait trop beau chez nous. C'est une petite dédicace à vous. Voilà, puis finalement, à part un petit peu mal aux cuisses, ça s'est bien déroulé et puis ça fait plaisir de rouler avec les copains. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!